T'as l'appétit déjà. T'es un petit peu maigre. Hein. Plus beaucoup même. T'es sale. Blessé. Oh. Tu t'es gratiné? Dirais la bagarre. Je pense qu'il a plein de puces. Il a des parasites, ça c'est sûr. Peut-être la gale, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour ce chat. Une famille d'accueil, mais alors là, il faut vraiment pas de contact du tout avec les autres chats parce que il faudrait que je lui fasse prise de sang, etc. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, il n'est pas bien. Donc, faut pas transmettre d'éventuelles maladies aux autres chats. Je sais pas si ça, c'est la gale qu'il a ou la teigne. Ou suite à des bagarres. Ah ouais, non, je crois qu'il... En fait, à ce chat, il faut que je lui trouve quelqu'un qui... Il est gentil. Hein. C'est dingue comme il est gentil. Faudrait que je trouve quelqu'un pour aussi faire les soins de ce chat, en fait. Dans mon cœur. Bon, il y a l'appétit, c'est déjà ça. C'est bon? Qu'il n'est pas castré? Que je le castre, mais je peux pas castrer un chat qui est dans un état pareil parce qu'il est tout maigre et tout. Là, il est faible donc peut pas castrer un chat comme ça. Je vois des traces de bagarre, ça c'est sûr. Donc voilà, il est juste avec moi en fait. Je suis là et puis en fait, il est là dès que je suis arrivée. Il était là, je lui ai parlé. Il est venu tout seul, il s'est frotté à moi. Mais franchement, bon, il mangeait tout, mais là, franchement, ça me fait mal au cœur de le laisser comme ça, là. J'aimerais bien quelqu'un qui soit d'accord, voilà, pour prendre. Ah, mon cœur, oh, mon petit amour. Bah oui, c'est ce câlin, tata Juliette. Mais il est gentil comme tout. Oh, oui, il est gentil. Il est gentil, regardez-moi ça. Plus, je crois qu'il a un petit peu mal à la bouche. Bon, alors après, je regarde ses dents-là. Oh, tes dents. Moi, c'est ma vie, des coups de boule. Mignon, c'est mignon. J'essaie d'examiner un petit peu, mais bon, je vois qu'il a plein de trucs, mais... Déjà, ouais, voilà, faudrait que j'emmène chez les taux. Que le veto regarde tout ce qu'il a et faudrait bah, le soigner quoi. Le soigner et après je sais pas du tout quel âge il a ce chat. Je sais pas du tout quel âge il peut avoir. Parce que toujours quand ils sont pas en bon état, ils font plus vieux, mais voilà quoi, j'aimerais qu'on puisse l'aider. Voilà, s'il y a une famille d'accueil pour ce chat et qu'on puisse le soigner et. Par la suite, je vais trouver une famille. Je vais devoir y aller, petit chat. Ah, petit cœur, oh, ça me fait mal au cœur de le laisser. Hein. Ça va aller? Ah, monsieur bébé, bah oui. Et puis, bien sûr, bah, je pense, bon, après, peut-être pas obligé de trouver avec un jardin, mais je sais pas comment il réagit en étant en intérieur. Parce qu'après, il y a des chats d'extérieur comme ça qui ont vécu des choses. Oh là là, son oreille, elle est tordue. Ont vécu des choses un peu difficiles et voilà qui accepte d'être en intérieur. Oui, mon cœur, oui. Attends, t'as une bête. Attends, je te retire. T'as une bête. Hop. Voilà. Allez, t'es en train de manger, je sais pas quoi sur toi. Ah ouais, non, mais là, franchement, là, je sens, il y a des croûtes partout. Donc, je pense déjà au moins un bon lavage. Mais ouais. Puis son ventre, je sais pas, il me paraît. Gros son ventre à l'intérieur, c'est il est maigre, mais ouais, je sais pas, j'espère que ça va aller. Ça va aller, hein? Je vais essayer de te trouver une famille pour que puisse te soigner, d'accord? Oui, mignon.
Oui, ça, c'est mes affaires. Attends, ouais. Je vais essayer de te trouver quelqu'un. Oh là là, ces pâtes. Oh, c'est quoi? Oh, punaise. Je sais pas, c'est pas de la pâtée, ça, c'est. On dirait du pus. Ah, oh, faudrait que je vienne avec quelque chose pour te soigner. Faudrait que je vienne avec de la bétadine. D'accord? Je viendrai avec de la bétadine pour te soigner. Ok? Ça va aller. Oh, ah, il y a des endroits, vous voyez, il n'aime pas qu'on touche. Ça, je teste un peu, je pense qu'il doit avoir mal par là. Hein?